So I'd like to start by asking you to think about a massive experiment. It looks like science fiction. Thousands and thousands of animals in cages exposed to thousands of chemicals for a long time. And you could say, well, this is just fantasy, but I propose to you that this is an experiment that we have all been taking part in without our permission since the 1950s with increasing numbers of chemicals. La définition assez généralement acceptée de ces perturbateurs endocriniens, c'est que ce sont des substances ou des mélanges exogènes extérieurs à l'organisme qui modifient la fonction du système endocrinien et qui vont ainsi provoquer des effets sanitaires nocifs dans un organisme intact ou dans sa descendance. Phthalates are quite a large class of chemicals. There are at least 15 products of phthalates measurable in our bodies, and their risks are different and their sources are different. Les phtalates correspondent à des produits qui sont très largement produits et dont la production a considérablement augmenté au cours des dernières années, puisqu'on est passé de 1,8 million de tonnes en 1970 à 4,3 millions en 2006. Les phtalates, fondamentalement, vous avez, c'est une petite molécule, et c'est des petites molécules qui sont intégrées dans le polymère. Et ainsi, il n'y a pas de liaison forte entre le phtalate et le polymère. Et du coup, les phtalates peuvent assez facilement sortir du polymère et aller contaminer le milieu environnemental. Et du coup, on est constamment exposé aux phtalates qui pénètrent dans notre organisme, soit par voie orale, soit par voie cutanée, dans les cas des cosmétiques, soit par inhalation, et en particulier par inhalation de la poussière de maison qui contient des phtalates. Les phtalates, vous savez tous, sont largement utilisés. Globalement, ils sont utilisés de deux façons différentes, soit comme plastifiants ajoutés à des polymères, c'est des PVC. L'idée, c'est de les rendre plus souples, soit au moment de leur emploi, soit au moment de leur fabrication. Et on le retrouve ainsi dans les matériaux de construction, dans les vêtements en tissu synthétique, les housses, les rideaux de douche, le film, le gants plastiques, contenants alimentaires, gélules pharmaceutiques, etc. Ça, c'est la grande utilisation des phtalates. Une autre utilisation, c'est de les utiliser comme fluidifiants, comme dispersants, ces petites molécules qui aident la dispersion. Et on le retrouve donc dans les peintures, les laques, les adhésifs, les cols, les lubrifiants, certains cosmétiques, les parfums et les désodorisants. Différents perturbateurs endocriniens peuvent, selon les substances, entraîner des troubles de fertilité, des anomalies du développement, de la puberté, de la ménopause, probablement certaines tumeurs au niveau du sein, de la prostate, peut-être de la thyroïde, des troubles du métabolisme et donc potentiellement obésité ou diabète. Et puis, dans la mesure où le système endocrinien il interagit avec le système nerveux, le système immunitaire, des troubles du comportement et des troubles immunitaires. When the mother has higher levels of at least two of these parent phthalates, DEHP and DBP, diethyl hexyl phthalate and dibutyl phthalate, when those are elevated in the mother during pregnancy, there are significant changes in the reproductive system of her male offspring. And what this group of outcomes is called is the phthalate syndrome. Des données américaines de l'étude NHANES, dans laquelle sur une cinquantaine de femmes, chaque colonne correspond à une femme, on a recherché jusqu'à une cinquantaine de substances, dont beaucoup sont des perturbateurs endocriniens, et la hauteur de la barre indique simplement le nombre de substances qui ont été retrouvées, et vous voyez que chez toutes les femmes, on a retrouvé au moins 25 des 52 substances qui ont été recherchées, donc il s'agit d'un ensemble de femmes enceintes américaines, et on est donc face à une exposition qui est très fréquente, et l'exposition au mélange est elle aussi très fréquente. In fact, when the mother is given DEHP, diethyl hexyl phthalate, or dibutyl phthalate, the male pup develops a series of changes in the genitals, including a shorter anogenital distance, smaller penis, and a malformed penis, undescended testicles. And this male will go on to have problems with fertility and poor sperm count. People have asked, who cares if the
in a genital distance is short. Well, I'm here to tell you that we should all care. We have looked at the anogenital distance in healthy young men in New York and found a very significant relationship between the length of the anogenital distance and all sperm parameters in these men. The longer the anogenital distance, the better the sperm. A colleague looking at men in an infertility clinic find that infertile men have a shorter anogenital distance and also this association with sperm count. And we also have links between anogenital distance and genital defects in infants. So we believe that by the shorter anogenital distance that we have shown related to early phthalate exposure predicts problems in fertility in these men as they age. En moyenne, actuellement, on estime qu'un homme produit deux fois moins de spermatozoïdes que son grand-père n'en produisait lorsqu'il avait le même âge. In our studies, we showed that when certain these same phthalates were elevated, the boys were what we call less completely masculinized, not only in their genitals, but also in their behavior. Other studies have linked the prenatal phthalates to other developmental endpoints, mostly in males, but some in females, seeing more aggression, more what we call ADHD-like behavior, and so on. These are relatively new studies. We're learning more and more because the way to measure behavior changes over the age of the child, and it changes over the kind of outcome that you're going to be looking at. But we now have sufficient evidence to say it is very likely that we have significant effects of prenatal phthalates on behavior in developing children. We also have evidence that the phthalates are linked to metabolic syndrome and can be measured in body fat. So this is a new and developing field. It's, of course, an adult outcome. So we now have evidence that not only the early development in the infant, but possibly adult exposure as well will be affecting health. Si on veut avancer de façon importante pour comprendre un petit peu pourquoi on a un effet des mélanges, pourquoi on a un effet chez une espèce et pas chez une autre, etc. Il est fondamental de comprendre le mécanisme d'action des perturbateurs endocriniens, quelles sont les cellules cibles, quelles sont aussi, quand on comprendra les mécanismes d'action, quelles sont aussi les possibilités de réparation. On a ici une altération pendant la vie fœtale. Certaines de ces altérations se manifesteront à l'âge adulte, d'autres au contraire seront réparées. Comment évaluer cette capacité de réparation? Les besoins de recherche ici concernent le suivi de l'exposition des populations humaines à l'ensemble de ces substances et puis aussi l'exposition des écosystèmes et d'espèces animales sentinelles. Cela veut dire chez l'humain pérenniser la biosurveillance. Biosurveillance qui, en France, commence à être mise en place par l'Institut de veille sanitaire, qui doit bien sûr ne pas être restreinte aux perturbateurs endocriniens. Et ça implique donc de suivre à la fois des femmes enceintes, des nouveau-nés, des enfants, de faire des prélèvements biologiques importants et des dosages de centaines de substances dans cette population. Le coût est important et là, il y a un réel besoin aussi de développer des techniques de dosage sensibles et à très bas coût pour un grand nombre de substances pour que tout ceci soit fait efficacement. Mais là, on peut dire que la France a un certain retard par rapport aux Américains ou à certains autres pays européens tels que l'Allemagne et qu'on cherche à rattraper. Parler aussi des phtalates aujourd'hui, c'est en référence au bisphénol 1, c'est mettre en évidence l'incohérence aujourd'hui de la réglementation, tout comme pour le bisphénol d'ailleurs. Nous avons 6 phtalates qui sont classés, qui sont interdits effectivement dans les jouets ou les articles de puériculture, mais à ce jour, on ne se préoccupe pas de la contamination des fœtus, qui est pourtant tout aussi importante, si ce n'est même plus importante que la contamination des jeunes enfants. Et donc, c'est aussi possible
poser la question de l'ensemble des phtalates et pas seulement de ceux qui sont aujourd'hui classés. We definitely have enough information to take action to prevent exposure to these chemicals by pregnant women and children. Comment le politique peut-il appréhender ça et ensuite en tirer des conclusions en ce qui concerne son action et ses propositions? Je pense qu'il est très important d'abord qu'il se montre suffisamment disponible pour rencontrer des scientifiques. Le problème, c'est que quand on est un politique, eh bien, il faut aussi entraîner des groupes. Et donc, aujourd'hui... J'ai été la première commune, parce que j'en suis le maire à Saint-Jean-la-Haute-Garonne, à interdire les biberons au bisphénol. Et puis ensuite, eh bien, ça a été voté et puis repris depuis le 1er mars 2011 à l'échelon européen. Ce qui prouve que des actions à la fois d'alerte politique, mais aussi de sensibilisation vers l'opinion que font plus facilement des scientifiques, et notamment quand ils travaillent en réseau, peuvent finir par avoir une certaine efficacité. Alors qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'Europe? Alors vous savez que l'Europe, depuis 1999, il y a une stratégie qui est communautaire et qui concerne les perturbateurs endocriniens. Depuis 1999, où justement il y a eu plusieurs niveaux, à court, à moyen et à long terme. Il y a eu des millions d'euros qui ont été donnés à des experts dans différents pays de l'Europe pour essayer d'identifier ces perturbateurs endocriniens. Et là-dessus, il y a des législations où on peut se raccrocher, qui sont la législation phytopharmaceutique, la législation concernant les biocides et la législation concernant la réglementation REACH. Vous voyez, ça touche ces législations-là. Et c'est vrai que les députés, par contre, notamment au Parlement européen, veulent faire avancer l'histoire des perturbateurs endocriniens sur les jouets, sur les cosmétiques et sur les contenants alimentaires. Ça, c'est une volonté où chaque fois qu'il y a une directive qui est discutée, eh bien, on se bagarre pour que les perturbateurs endocriniens soient interdits ou soit, s'ils sont utilisés, il y a au moins un étiquetage pour informer le consommateur qu'il y a les perturbateurs endocriniens. Et nous avons lancé, il y a maintenant 5-6 ans, c'est-à-dire autour de 2007-2008, un projet qui s'appelle le projet Nesting et qui a pour objectif d'aider les jeunes parents à créer un environnement intérieur sain pour leur enfant. L'une des principales missions du C2DS est d'informer ses adhérents et d'alerter les décideurs en santé, également les pouvoirs publics sur tout ce qui, de nature, a menacé la santé des patients et également la santé des personnels hospitaliers. There are alternatives, I just point out to you. There are alternatives to the petroleum-based products that we've been talking about. There are, for example, food-based alternatives, food-based plastics. Je pense qu'il faut avoir une volonté politique. Et puis, je dois dire aussi qu'il faut s'adresser aussi à l'industrie, qui parfois se comporte comme un obstacle absolu, mais qui parfois coopère aussi. Et je viens de voir sur la veille phtalate du RES qu'un certain nombre d'entreprises, mais anglo-saxonnes, ont avancé sur la production de ces substituts BPA ou OBPA ou au phtalate pour leur production. And the good news is that these chemicals are non-persistent. Unlike the persistent chemicals that were phased out by the POPS treaty, these remain in our bodies for matters of hours and days. So that if we can get control of this situation and remove them from our daily lives, they will not persist in our bodies, except possibly through some epigenetic mechanism.